procédure simplifiée d'accès à l'électricité est mise en place par la Société nationale d'électricité du Burkina Faso, SONABEL, à travers le projet de développement des connexions à l'électricité PDCEL. Ce projet revêt un caractère éminemment social, avec pour but de permettre aux ménages modestes d'avoir accès au branchement de la SONABEL. Le PDCEL est un projet qui représente un grand effort fait par le gouvernement et la SONABEL pour permettre aux populations démunies d'avoir accès à l'électricité. Le PDCEL aussi permet de déployer des réseaux dans les zones non loties afin que les populations des zones non loties puissent également avoir accès à l'électricité comme les populations dans les zones non loties. Lancé en décembre 2019 par le ministre de l'Énergie à Tenkodogo, dans la région du Centre-Est, la phase pilote de ce projet va permettre à la SONABEL de raccorder 50 000 nouveaux abonnés à son réseau d'ici à fin 2020. Cette phase pilote va concerner les villes de Tenkodogo, Kaya, Waiguya, Bobo, Ouaga et Koudougou. Et donc, c'est une phase qui va nous permettre de réaliser des réseaux et des branchements dans ces villes et d'avoir un retour des populations, un retour sur la procédure. C'est pour cela qu'on l'a nommée phase pilote. Elle va devancer la phase 1 qui va être mise en branle de 2021 à 2025 et la phase 2 de 2026 à 2030. Le PDCEL propose le branchement à partir d'une avance de 3 000 francs CFA et le reste du coût est progressivement retenu sur les factures mensuelles de l'abonné sur une période maximale de 5 ans. Ce projet a connu un engouement des populations de Tenkodogo après son lancement. Parce que depuis le lancement du projet, depuis le 7 décembre, nous sommes à peu près 3 semaines déjà de lancement. Mais je vous assure que nous avons déjà enregistré un peu plus de 1 000 clients qui se sont manifestés. Et c'est pour vous dire que les gens sont vraiment intéressés par le projet. Et comment faire pour bénéficier de l'électricité dans le cadre du PDCEL? Il suffit tout simplement de venir à nos guichets, à Tenkodogo ici, avec les références de votre parcelle, plus une photocopie non légalisée de la CNIB. En plus, il faut avoir un contact, une adresse sur et un numéro de contact. Et à partir de ça, on peut en tout cas commencer ce que nous appelons enrôlement. Après l'enrôlement, les équipes de débit sortent avec les documents qu'il faut. Ils partent sur le terrain pour quantifier le matériel qu'il faut pour vous raccorder au réseau électrique. Pour ces nouveaux clients de la SONABEL, ce projet est un ouf de soulagement. Il y a très longtemps, nous attendons l'électricité dans notre zone. Nous sommes ici depuis 2008 et on nous avait toujours promis, mais on n'a jamais réussi. Mais avec ce projet, Dieu soit loué, aujourd'hui, j'en suis bénéficiaire. Maintenant que nous avons l'électricité, beaucoup de choses vont changer dans notre comportement. Premièrement, ça va permettre à nos enfants de bénéficier de l'électricité afin de mieux étudier. Après cela, ça va nous permettre de mener certaines petites activités. Aujourd'hui, c'est un grand plaisir pour nous d'avoir la SONABEL parce que ça nous permet quand même d'améliorer notre cadre de vie et de vivre décemment. Avec le PDCEL, aujourd'hui, je n'ai fait avancer que 3 000 francs pour avoir l'électricité. Et je crois que c'est une situation vraiment à féliciter et je félicite aussi le gouvernement surtout pour cela. Parce que ce n'est pas évident que sans le PDCEL, seul on peut tirer l'électricité. Donc je me dis que le projet est la bienvenue parce que ça permet à beaucoup de gens, à ceux qui n'ont pas les moyens d'avoir l'électricité. Donc c'est un message d'encouragement et si on peut vraiment étendre l'ensemble du territoire, ça va vraiment faire du bien.
Pour la mise en œuvre efficace du projet de développement des connexions à l'électricité PDCEL, la Sonabel a engagé plusieurs projets en vue d'accroître l'offre d'électricité. La première phase du PDCEL, qui sera mise en œuvre de 2021 à 2025, concernera toute l'étendue du territoire pour un coût estimatif de 69 milliards de francs CFA.